bienvenue sur notre web TV Sport Mag, dans le cadre des championnats de France de l'avenir de la Fédération française de cyclisme. Nous sommes ici en Seine-et-Marne, sous le soleil seine-et-marnais, dans la charmante localité de Loret-le-Bocage-Préau. Nous avons élu domicile pendant 5 jours. Pendant 5 jours, nous serons ici sur ce plateau avec des invités, 2 émissions par jour, donc en total 10 émissions pour vous faire vivre au plus près ces championnats de France de l'avenir. Tous les jours, donc je le disais, les champions de France, vous les avez déjà entreaperçus ici, mais aussi des représentants des comités, des élus, des membres actifs et des acteurs majeurs du cyclisme français, francilien et seine-et-marnais, bien entendu, vont se succéder pendant 5 jours donc sur ce plateau. Et nous avons des invités, 4 invités aujourd'hui. Nous avons monsieur Marc Tilly, vice-président de la Fédération française de cyclisme en charge de la route. Merci d'être ici. À nos côtés aussi, monsieur Julien Tollet, entraîneur national en charge de l'équipe de France junior homme et aussi référent à la Fédération française de cyclisme du contre-la-montre. Et vous avez aperçu nos deux invités avec leur belle tunique bleu, blanc, rouge. Ce sont les 2 premiers champions de ce premier jour de compétition des championnats de France de l'avenir. Honneur aux dames, mademoiselle Églantine Raillé. Bonjour. Félicitations. Merci. Alors on va prendre les micros pour parler. Voilà, chacun va prendre son petit micro. Et à ma droite, Romain Grégoire. Bonjour Romain. Bonjour. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Alors, monsieur Tilly, un événement comme le championnat de France de l'avenir, qu'est-ce que ça représente pour la Fédération française de cyclisme? Alors c'est un moment important de l'année, bien sûr, pour la Fédération française de cyclisme. C'est la vitrine de notre fédération. Et c'est aussi un moment important, le championnat de France de l'avenir. Donc effectivement, de voir donc nos jeunes champions et l'avenir de demain pour le plus haut niveau. Donc pour nous, un moment essentiel de l'année, un moment important. Un moment qu'on n'a pas le droit de rater, c'est vraiment une vision très importante de la fédération et qui fait voir au grand public effectivement ce sport important, ce sport qui en plus juste après le Tour de France, vous voyez, c'est un moment très spécial pour nos jeunes. Les gens sont presque un peu frustrés là d'avoir arrêté de regarder le Tour de France, donc là ils ont l'occasion de regarder nos émissions en direct tous les jours. Tout à fait. Sur les différentes plateformes de Sport Mag. Julien Tollet, en tant qu'entraîneur national, c'est l'occasion aussi pour vous justement d'aller à la rencontre de tous ces jeunes, notamment Romain, de tous ces jeunes que vous êtes à même de sélectionner, et pourquoi pas des jeunes que vous n'avez pas encore sélectionnés et que vous pourriez le faire. Oui, bien sûr, c'est un rendez-vous important chaque année, ce championnat de France de l'avenir. Ça permet effectivement de faire une revue d'effectifs. Alors soit d'avoir des confirmations comme Romain, il était déjà champion de France l'an dernier de course en ligne. Là il confirme mais dans un autre registre, celui du contre-la-montre. Et puis bien sûr oui, des révélations, parce que d'autant plus la période qu'on vit actuellement, où on vit une deuxième saison qui est compliquée d'un point de vue calendrier sportif. Et certains sportifs n'ont pas toujours pu s'exprimer comme ils l'auraient souhaité. Et du coup, des rendez-vous nationaux comme ça, c'est important pour nous, puisque ça permet effectivement à certains de montrer le bout de leur nez, on va dire, et en tous les cas, de commencer à apparaître un petit peu sur nos écrans radars. Et effectivement, ça permet de voir l'ensemble des pelotons, que ce soit chez les juniors femmes, juniors hommes, et puis bien sûr dans les catégories espoirs. Et chez les plus jeunes, les cadets, qui est aussi un rendez-vous important. Alors, on va commencer par le premier résumé de cette journée. En images, la première course, elles étaient 32 concurrentes au départ. Elles se sont élancées assez tôt ce matin, vers 9h. Hein, la vainqueur en titre ne va pas me démentir. Le réveil était tôt, Églantine. Je me suis réveillée à 5h40 ce matin. J'avoue que ça piquait un peu. Bon. Et donc voilà, donc c'était la... Allez, partout. Allez. Avec Églantine. Comment il était ce parcours? Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est, un parcours qui me convient en contre-la-montre. Donc j'y suis allée en me disant que de toute façon, il fallait tout donner. Et la première partie était vraiment très roulante. Et en deuxième partie, on avait plutôt des virages un peu serrés. Et puis on avait quelques bosses qu'il fallait savoir gérer parce qu'elles étaient assez longues. Et c'était sympa, c'était un beau circuit.
Et en plus de vous être levé très tôt, vous n'avez pas eu de chance parce que vous êtes parti quasiment sous la pluie. La plupart d'entre vous ont eu des averses. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, je suis rentrée avec les pieds trempés, mais pendant, franchement, on n'y pense pas du tout. On ne sent que les jambes pendant le chrono. J'ai pas senti la pluie, mais c'est vrai que dans les virages, c'était très glissant et ça devenait dangereux. Donc on le voit là, la plupart de vos concurrentes et vous-même d'ailleurs, hein, vous êtes arrivés totalement exténués avec une bosse de 600 mètres jusqu'à l'arrivée qui a bien fini de casser les pattes, hein, comme on dit. Oui, bah, pendant que j'étais dans la bosse, je me demandais comment j'allais faire pour arriver jusqu'en haut. Et au final, voilà, je me suis dit, le DS qui était dans la voiture m'a dit c'est les 500 mètres de ta vie. Alors je me suis dit, bon, bah, pour 500 mètres, je peux tout donner. Donc j'ai fini à fond et puis voilà. Alors comment vous avez géré vos efforts sur ces kilomètres? Donc dans la première partie qui était plus roulante, on m'avait dit de pas trop en faire parce que après on se rendait pas compte, mais c'était quand même assez faux plat montant. Et puis dans les bosses, on m'a dit aussi de pas trop en mettre pour réussir à relancer derrière. Parce que des fois, c'est vrai que comme j'ai pas trop d'expérience sur le contre-la-montre, j'aurais tendance à monter la bosse vite et puis après, plus avoir trop de jus pour en mettre à la relance. Et donc, j'ai suivi les conseils du DS qui me parlait dans l'oreille et ça s'est bien passé. Alors, on s'est vu un petit peu tout à l'heure déjà. Vous me disiez que vous avez quasiment pas fait de contre-la-montre. Et donc, la performance est d'autant plus remarquable. Bah, j'ai fait un contre-la-montre la semaine dernière, samedi dernier, autour de Charente-Maritime. Et je m'étais entraînée une semaine avant, vraiment, j'avais testé mon vélo une semaine avant, et puis les roues, je les ai testées 30 minutes la veille. Donc non, franchement, j'étais pas assez entraînée, mais mon entraîneur a vraiment bien géré, et il savait ce qu'il faisait, je pense, et voilà. Bon, et est-ce que c'est un peu une revanche par rapport aux deux troisième places que vous aviez eues chez les cadettes? Oui, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elles soient aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une belle revanche parce que je me disais les années passées se ressemblent et finalement non, ça se ressemble pas toujours, et franchement décrocher le maillot bleu-blanc-rouge, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, c'est quand même championne de Normandie, hein, vous l'avez été plusieurs fois, le maillot bleu-blanc-rouge, là, ça fait quoi de le porter là et d'avoir l'hymne national sur le podium? Bah, je sais pas, il est beau ce maillot, franchement, je sais pas si c'est vraiment moi qui le porte pour l'instant, mais il est beau et je vais essayer de lui rendre honneur. Bah, je vous rassure, vous pourrez regarder tout ça après sur les réseaux sociaux, ça sera évidemment rediffusé, vous verrez que c'est bien Églantine Raillé qui porte cette belle tunique bleu-blanc-rouge et son homologue masculin, Romain. Donc Romain, Julien le disait tout à l'heure, il était un peu presque favori, c'était la confirmation, on va dire, des résultats de l'année passée, notamment. Favori, je ne sais pas, j'ai fait un bon mois de juin, juillet, j'étais en forme. Après, voilà, le costume de favori, moi, je n'ai pas tellement fait attention, j'ai fait mon effort comme je le sentais, appuyé le plus fort possible sur les pédales, et ça s'est bien passé. Donc, vous êtes champion de France junior 2020, quatrième du contre-la-montre junior, donc il y a quand même une belle progression, et notamment en chrono. Vous avez travaillé un peu ce chrono là pendant l'hiver 2020-2021? Ouais, bien sûr, même avec le sélectionneur national Julien Tellet, on a fait un stage au mois de février pour perfectionner la position, et ben aujourd'hui ça a joué tous ces petits détails, c'est une discipline qui se travaille toute l'année, et aujourd'hui j'ai mis à profit tout ce travail. Bah, Julien, donc félicitations, parce que visiblement vous avez aidé en tout cas à ce que Romain porte ce maillot. Comment ça se passe les stages là? Puisque il faut raconter un petit peu, vous êtes entraîneur national, vous organisez des stages avec des coureurs de différents comités qui ne se connaissent pas forcément d'ailleurs. Comment vous faites pour essayer d'avoir justement cette osmose entre eux et pour leur faire progresser aussi par rapport à leur entraîneur classique, on va dire, de club? Ouais, alors tout d'abord, félicitations à Romain. Chaque intervenant auprès de Romain apporte sa petite pierre à l'édifice. Effectivement, moi, en tant qu'entraîneur national, ben, je suis amené à effectuer des sélections et effectivement réunir des coureurs sur des temps de stage. Et comme l'a dit Romain, on avait effectué un temps dédié au chrono au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, justement pour pouvoir faire un peu d'évaluation et puis aussi de perfectionnement. Donc ils ont effectué un travail très spécifique sur le Vélodrome, mais avec leur vélo de contre-la-montre. Et puis après, bien sûr, Romain, avec son entraîneur personnel, Maxime, travaille aussi tout au long de la saison
de manière spécifique son le contre-la-montre. Et finalement, c'est une confirmation de ses bons résultats de l'an passé. Alors, on a aussi une petite pensée, et je pense que Romain y pense aussi. On pense à Eddy Lehuitouze, qui était le champion sortant, également champion de France en junior première année, qui s'est blessé il y a quelques jours, donc avec une fracture de la clavicule, et qui aurait aimé défendre son titre. En tous les cas, ça n'enlève rien au titre de Romain, parce que ce sont tous des coureurs qui travaillent de manière très assidue le chrono. Et c'est bien voilà, quand ça paye et qu'il y a un maillot au bout. Ouais. Et la saison, elle est quand même belle. Il y a 3 victoires depuis le début d'année, c'est ça? Et notamment l'Italie. Racontez-nous un peu là, vos petites victoires en Italie. Ouais, pour l'instant, la saison se passe bien. Ouais, je suis allé chercher une victoire sur une course UCI en Italie à la fin du mois de juin. Et puis le Tour du Valromey début juillet. Donc pour l'instant, c'est une vraie belle saison. Bon, et on n'oublie pas évidemment qu'il y aura la course sur route, hein, et vous allez être tous les deux engagés bien évidemment sur la course sur route. Alors monsieur Tilly, on voit là derrière nous il y a les stars, hein, les porte-drapeaux du cyclisme français, hein, Pony Ferrand-Prévot ou Julien Alaphilippe. Les championnats de France de l'avenir, c'est aussi l'occasion d'avoir peut-être les futurs représentants du cyclisme tricolore au plus haut niveau. Tout à fait, tout à fait. Et le championnat de France est là pour ça. Hein. C'est une organisation et on est très fiers, la fédération, effectivement, de pouvoir leur donner la possibilité à ces jeunes athlètes à devenir, donc de pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions grâce à une structure avec un terrain de jeu ici qui leur a permis de vraiment s'exprimer au plus haut niveau et de faire voir leur plus grande qualité. Hein, puisque le contre-la-montre, c'est une discipline très spécifique. C'est un effort où il faut bien se connaître, où il faut bien gérer. Et aujourd'hui, ils avaient un circuit qui leur demandait effectivement de bien connaître tout ça et de bien le gérer. On a les deux exemples qui ont su le faire au mieux, en tous les cas. Hein, c'est sans doute aussi deux athlètes qui sont en très grande forme en ce moment. Donc voilà, nous, on est fiers de pouvoir leur donner des compétitions qui leur permettent de s'exprimer au plus haut niveau et qui va leur permettre peut-être effectivement d'aller encore plus haut et de pouvoir s'exprimer encore plus haut dans ce beau sport qu'est le cyclisme. Eh ben, merci, on va libérer nos deux champions parce qu'ils ont d'autres impératifs. Il y a des confrères qui les attendent, ils ont les contrôles antidopage et tout ça. Donc merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, c'était merci très beaucoup. Sympa. Et en espérant vous revoir sur d'autres plateaux un autre jour, avec pourquoi pas une tunique et l'arc-en-ciel, on sait jamais. Allez, on y croit, on y rêve. Hein. Donc, j'ai une petite question pour vous, Julien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Hop, tu vas passer juste derrière, ça va être plus facile. Voilà, merci beaucoup. Julien, il y a Marc-Tilly parlait tout à l'heure de cet effort spécifique qui est le contre-la-montre. Comment on fait pour progresser en contre-la-montre et pour en même temps ne pas perdre ses qualités sur route? En fait, je crois déjà que les qualités, elles sont similaires. C'est-à-dire qu'on voit très souvent quand même des coureurs, les coureurs performants en contre-la-montre le sont sur route et la réciproque est vraie aussi. Après, effectivement, c'est un effort très spécifique qui demande donc du travail. Et c'est surtout, je crois, le travail avec le vélo, avec la machine qui est un peu spécifique, qui est très spécifique et où finalement, il faut que le coureur fasse corps avec sa machine. Et il y a seulement à travers de la pratique qu'on y arrive. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu surpris par l'interview d'Eglantine là, qui nous explique qu'elle a très peu touché à son vélo. Alors disons que... Elle a juste des qualités intrinsèques. Voilà, elle a effectivement des qualités intrinsèques qui lui permettent de s'exprimer sur ce type de parcours. Maintenant, voilà, je pense qu'avec son entraîneur et puis l'entraîneur national des juniors femmes, elle va faire un travail plus spécifique. Justement, vous parliez de l'international désormais. C'est ce qui peut-être lui l'attend là, sur la deuxième partie de saison. Et effectivement, c'est nécessaire de toute façon de travailler avec le vélo de contre-la-montre de manière très, très régulière. Et entre autres, on leur conseille pratiquement chaque semaine de prendre le vélo une fois, voire deux fois pour progresser. Et ben voilà, pendant que vous étiez en train de parler, deux autres champions de France viennent d'arriver. Voilà. Les deux champions, bon, on s'est aperçu un peu déjà tout à l'heure, toujours pareil, hein, vous êtes les seuls à avoir une accréditation un peu particulière sur ce championnat de France de l'avenir. Elle brille, elle est presque d'or. Merci de nous rejoindre, hein, et félicitations. Merci. Cédric, on vous avait quand même survolé cette compétition.
Alors, on va prendre le micro. Ouais. Ouais. Je sais pas si on peut dire survolé, mais bon, c'est vrai que voilà, les écarts sont. Les écarts par le domaine. Ouais. Bon. Alors, comment vous avez géré? Alors, c'est la même question un peu qu'on pose à tout le monde sur un contre-la-montre, parce que l'idée, c'est Julien Tollet va pas me démentir, mais c'est quand même notamment de gérer ses efforts, surtout quand on a une arrivée aussi difficile qu'aujourd'hui. Comment vous avez géré vos efforts? Bah, c'est vrai que ce genre de chrono, je pense que. Enfin, mon point de vue, il n'y a pas de gestion à avoir. Il faut partir à fond et il faut finir à fond. Et ouais, non, c'est vrai que pour ce chrono-là, je n'ai pas réfléchi. Je suis partie à mon max et voilà, après, c'est de la résistance en fait. Il faut appuyer le plus fort possible et dans les descentes, pas perdre de temps et voilà, se mettre en bonne position. Voilà, et bah, en tout cas, la position a été plutôt belle à voir sur le vélo. Donc, Cédrine, vous avez 20 ans. Vous êtes dans le team Arkea. Ouais. Voilà, de Emmanuel Hubert. Exactement. Exactement. Et au mois de juin, vous aviez déjà participé au championnat de France élite, cette fois avec les professionnels, hein, alors qu'il n'avait que 20 ans, vous avez fini 3e. Alors, est-ce que vous n'avez pas commencé à faire peur à vos adversaires là? L'année dernière, c'était Juliette Labou qui était à votre place avec le maillot de championne de France espoir. On l'a vu sur les Jeux Olympiques, notamment, c'était la seule représentante sur les Jeux Olympiques. Elle a brillé sur les Jeux, parce qu'en tout cas, elle a tout donné. Et même si c'est toujours compliqué de lutter contre les Hollandaises, est-ce que vous n'allez pas faire peur à vos adversaires maintenant? Faire peur, j'en sais rien. En tout cas, quand on verra Kerbaol sur une liste de départ, on se posera des questions. On va peut-être cocher. Bah, c'est vrai que oui, ça va changer par rapport à mes années juniors. Ça se passe comment d'ailleurs la transition entre les juniors et les espoirs? C'est vrai qu'on m'avait pas mal dit que ça allait être beaucoup plus dur. Mais en fait, moi j'apprécie plus mes années juniors. Après, je sais pas si c'est une question d'âge aussi, d'avoir un peu grandi et ça fait plus longtemps que je suis dans le milieu aussi. Mais ouais, j'apprécie plus mes années espoirs, il y a plus de niveaux aussi. Et voilà, c'est bien de se confronter aux grandes, quoi, Alors, c'est top. Marc, quand on voit Cédrine, qui finit 3e devant Pauline Ferrand-Prévot, Marie Lenette, Coralie Domet, on peut dire qu'elle a, en tout cas, si elle continue à bien travailler, elle a peut-être une belle carrière devant elle à jouer. En tous les cas, je crois qu'elle a les atouts. Elle a les atouts pour le faire, en plus le mental, hein, parce que vous voyez, elle n'a pas réfléchi, hein, donc elle s'est dit je pars à fond et j'arrive à fond. Voilà. Hein, donc ça a fonctionné en tous les cas, mais il faut avoir les jambes, il faut avoir le mental pour pouvoir le faire, et ça, et Julien ne me démentira pas là-dessus, le mental est de plus en plus important au très haut niveau, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que la fédération travaille énormément là-dessus avec des professionnels, hein, sur l'accompagnement au niveau mental, hein. Il y a le physique, mais le mental prend beaucoup d'importance, je pense, pour les grands résultats. Ça se traduit comment cette évolution, justement, vous parliez du mental, c'est-à-dire il y a des coachs, la fédération embauche des coachs mentaux plutôt. Alors là, c'est un travail plus de la DTN. Hein. Je laisserai Julien vous expliquer exactement, effectivement. Mais on passe par des professionnels, effectivement, hein, par des gens, des prestataires professionnels qui peuvent assumer ce qu'il faut assumer à ce niveau-là, parce qu'il faut les compétences. Il faut les compétences pour le faire. Hein, mais voilà, quoi. Je pense que voilà, on a des athlètes là qui ont tout l'avenir devant eux, et moi, je leur souhaite le meilleur en tous les cas. Hein, et je suis pas trop inquiet en fin de compte. Je pense que effectivement, je pense que c'est des gens qu'on va revoir au plus haut niveau, et qu'on aura la fierté en tous les cas nous d'accompagner. Et donc Cédric, vous serez aussi aligné sur la course en ligne, évidemment. C'est ça. Avec un objectif aussi ou pas? Ouais, c'est sûr qu'on a toujours le même objectif, et là ça sera de ramener le maillot avec l'équipe, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec le comité de Bretagne. Exactement. D'accord. Et à ma gauche, un autre champion de France, le 4e, le dernier de cette première journée de compétition ici à Loret Bocage de Préau, Kevin Vauclin. Au début, j'ai fait un peu le tour au départ de certains membres de comité, de directeurs sportifs d'équipe de DNA notamment, qui me disaient on ne voit pas comment Kevin Vauclin ne peut pas gagner.
Et vous avez répondu présent. Donc là, c'est aussi, il y a les jambes, mais c'est aussi, encore une fois, le mental. Bien sûr, le mental joue beaucoup, surtout en chrono, c'est un effort individuel. On voit les images là, du podium. Bon, vous avez commencé à être habitué avec, au podium. Mais on n'est jamais habitué à ces choses-là. Non, c'est toujours un plaisir. Bon. C'est, bien sûr, le chrono, c'est une épreuve difficile. Hein. C'est un effort solitaire, on est tout seul avec, contre nous-mêmes. Et bien sûr, le mental joue beaucoup, beaucoup. Alors, un mot sur le parcours là, sur ce tracé. C'était un beau tracé. Je trouve que c'était quand même un beau championnat. Avec deux bosses, c'était assez intéressant. Voilà, fallait de la gestion, mine de rien. Voilà, même si c'est que 21 km, il faut un petit peu de gestion. Parce qu'on savait où se faisait la différence avec le vent. Donc le vent s'est assez levé à la fin. Donc, c'était intéressant. Le vent s'est levé, mais la route a séché. La route a séché, donc, c'était un avantage. L'un dans l'autre, alors qu'est-ce que vous préférez ? Du vent ou de la pluie ? Le vent, c'est plus dur, mais la pluie, c'est dangereux. Donc, voir. On peut pas choisir. Là, finalement, on se retrouve, on a deux écoles. On a à bloc, et puis là, la gestion des efforts. Il y a deux titres. C'est à bloc, bien sûr, mais faut pas faire non plus n'importe quoi. Si tu pars au sprint, c'est sûr que 120 km, tu vas pas finir. Et je pense que Sandrine le sait très bien, et c'est ce qu'elle voulait dire. Justement, on en parlait tout à l'heure, Julien, quand ils ont passé la ligne, à tous et toutes, ils étaient tous exténués. Et pourtant, quand quelqu'un qui ne connaît pas bien se dit, allez, il y avait 16 km chez les juniors femmes, il y avait 21 km dans les autres catégories, bon, allez, 20 km, on n'est pas fatigué comme ça. Effectivement, la distance paraît faible au vu de ce qu'ils sont capables de faire. Kevin participe à des courses qui font plus de 180 km actuellement. Donc 20 km, ça paraît faible, mais en réalité, forcément, on leur demande de rouler le plus vite possible. Je dirais qu'il y a de la gestion, même si elle nous explique qu'elle est partie à fond. Malgré tout, elle sait la durée d'effort et qu'à un moment donné, elle va devoir gérer. Mais en tous les cas, oui, il termine exténué, notamment par rapport au final qui est proposé là, avec le vent, avec les deux bosses qui sont sur le parcours aussi, et puis le final. Et c'est vrai que quand on arrive dans le dernier kilomètre et qu'on sait qu'il reste moins d'une minute 20 d'effort, et ben on donne tout. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi des images comme ça de coureurs qui sont exténués à l'arrivée. Et en plus, il y a les temps intermédiaires, vous les aviez les temps intermédiaires ou pas? Oui, on les avait. Je le savais. Bon. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous, l'idée c'était de partir à bloc aussi. Pour mentalement aussi avoir de l'avance au premier intermédiaire. Et puis après, c'est les adversaires un peu ou pas aussi? Du coup, c'est vrai qu'il y avait pas mal de filles, notamment Léa Curinier, Maëva Skiban, qui partaient, mais avec quand même 10 minutes d'avance, je crois. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas eu le temps d'être enseignées, ou alors très tard, quoi. D'accord. Et Kevin, pareil? Oui, bien sûr, les temps intermédiaires sont une bonne indication durant le chrono pour savoir s'il faut en mettre plus, faut se transcender encore plus, ou si on peut plus gérer notre affaire et se permettre de souffler un peu sur certaines parties. Et c'était vraiment, vraiment très utile. Ouais. Et est-ce que vous avez envie aussi d'asseoir votre autorité et de montrer aux adversaires que vous êtes... vous avez les meilleurs temps et que... Bien sûr, ouais. Parce que c'est aussi un combat psychologique, mine de rien. Quand tu passes premier au point inter, il est premier. C'est toujours intéressant. Et ça nous met surtout en confiance pour la fin du chrono. Et on se dit qu'on a peut-être un peu plus de marge que prévu. Et prendre moins de risques, par exemple, dans les virages, tout comme ça. Merci beaucoup. C'est quoi le prochain, à part les championnats de France de l'avenir? On l'a dit, la course sur route, pour vous, c'est quoi? Alors, j'ai pas trop de visibilité pour l'instant. Ça serait bien de faire des chronos quand même pour pouvoir mettre le maillot. C'est sûr. Déjà, je pense que je peux compter sur l'équipe de France pour faire les championnats d'Europe déjà de chrono. Je vais me préparer pour ça. D'accord. Avec un beau maillot, avec une belle étoile devant. Et Kevin? Là, j'aurai un assez gros programme. J'aurai tout ça à Mont-Blanc avec l'équipe de France Espoir et après, j'aurai le Tour de l'Avenir. Un gros programme en vue. Donc retour de l'avenir, un retour en Seine-et-Marne puisque il y aura deux étapes sur le territoire seine-et-marnais. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à vous, Marc. Merci Julien. Merci à nos quatre champions qui se sont succédés autour de nous. Demain, évidemment, encore une fois, ce sera le deuxième jour de compétition. Il y aura une nouvelle émission vers les mêmes heures, vers 13-14 heures. Merci de nous avoir suivis. Surtout, il faut rester connecté puisque juste après, il y aura une deuxième émission. Ce sera un peu plus, institutionnel. Ce sera avec les gens de Seine-et-Marne qui vont venir avec nous pour nous expliquer un peu pourquoi ce grand département, le plus grand département d'Île-de-France, est aussi un grand département compétitif et notamment en termes de cyclisme. À tout à l'heure.
Merci. Merci. C'est cool. Ah, c'est cool. Hop. Et encore bravo. Merci. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et merci pour vos éclairages. Il fait bon. Ah, il fait. Ouais, ça va. Putain, ça y est, ça fonctionne. Ah, ouais, t'as. Désolé. T'as écouté là ? Ouais, ça allait ? Ouais. Même. À la fédé ? Alexis, ton prénom.
putain, j'y crois pas, je sais pas, c'est incroyable. Donc t'avais le meilleur inter aussi. J'ai commencé à comprendre et... Ouais. Faut qu'il était manqué. Allez, allez. Allez, poste. Allez. Sur la ligne, Romain Grégoire peut-être, c'est le meilleur temps de la formation régionale d'Île-de-France, lui qui représente également les couleurs de Clamart tout au long de la saison. Alexandre Box qui avait gagné le chrono sur le tour du Bocage en Vernet. On va l'attendre et l'encourager évidemment dans les couleurs de l'être juste derrière lui.
Bonjour, nous sommes de retour ici sur le plateau Sport Mag à quelques encablures là, de la ligne d'arrivée des championnats de France de l'avenir à Loret-le-Bocage-Préau en Seine-et-Marne. Département de Seine-et-Marne qui accueille donc pendant 5 jours consécutifs cet événement national. 10 courses avec 10 champions au final. Ils seront 700 concurrents à essayer d'obtenir la fameuse tunique bleu-blanc-rouge. Et si cet événement se déroule ici en Seine-et-Marne, ce n'est pas forcément un hasard. C'est parce que ce département, qui est le plus grand département d'Île-de-France, est un véritable poumon vert au cœur du bassin parisien. Et c'est aussi un département très actif en termes de compétition sportive. On va l'évoquer, notamment de cyclisme. Et pour parler de cette terre de compétition, 4 invités à mes côtés. Merci d'être présent, Madame Nolwenn Le Boutère. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale de Seine-et-Marne en charge des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est ça. Un gros programme. Il y a du boulot. Nous avons Monsieur José Gouer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oh non, bonjour, on peut dire. Bonsoir. Pardon, oui. Pas encore. Vous êtes président du comité régional d'Île-de-France de cyclisme, mais aussi président du comité départemental, c'est-à-dire du comité de Seine-et-Marne de cyclisme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, les fiches sont plutôt bonnes. Pierre Mauzin, à ma gauche. Vous Bonjour. Êtes coordinateur sportif chez Chlorobike pour l'événement, le grand événement dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle Vélo en grand. C'est bien marqué sur votre t-shirt. C'est ça. Voilà. Et à ma droite, certains l'ont peut-être reconnu, un visage qui est familier pour les amateurs de cyclisme. Il a été ancien coureur cycliste professionnel, excellent sprinter, un pistard, comme on dit, pistard dans tous les sens du terme. Il a travaillé chez Amaury Sport Organisation pendant de nombreuses années. Il a été directeur de course du Tour de France. C'est lui qui faisait les parcours du Tour de France pendant des années. C'est un retraité encore très très actif, M. Jean-François Péchaud. Bonjour. Bonjour Jean-François. Donc nous allons évoquer la Seine-et-Marne et cette terre de compétition. On va commencer par honneur aux femmes, Madame Le Boutère. La Seine-et-Marne, qui est dans le cœur du bassin parisien, je l'ai dit au début, va accueillir elles aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc tout à fait. Comment vous préparez tout ça ? Effectivement, la Seine-et-Marne est une terre de compétition pour le cyclisme, mais pas que. Et donc, c'est le site de Vers-sur-Marne qui va accueillir les compétitions de canoë, kayak et d'aviron. Voilà. Et tout l'enjeu pour nous, sur les années qui nous séparent de 2024, c'est également de faire venir des équipes en session d'entraînement. Donc, pour ça, il y a plusieurs sites, évidemment, qui ont été identifiés sur le département. La Seine-et-Marne, poumon vert de l'Île-de-France, terre d'équitation, avec un site aussi très important qui est le CNSD, le Centre National des Sports de la Défense, qui accueille dès la semaine prochaine une équipe de France en entraînement. Et donc l'ambition du département, c'est de faire connaître tous ces sites pour qu'un maximum d'équipes nationales puissent découvrir notre département et participer à l'attractivité de notre territoire. Justement, comment vous procédez pour attirer ces équipes nationales ? Vous avez des réseaux un peu partout dans les différentes fédérations à l'étranger ? Alors, on a des services, services des sports du département, n'est-ce pas, qui n'ont pas attendu d'ailleurs mon élection pour commencer à travailler. C'est de la prise de contact, c'est du relationnel évidemment. Le département a l'habitude de travailler avec les comités départementaux. Le département a l'habitude également d'organiser des événements internationaux. C'est déjà le cas depuis de très nombreuses années en gymnastique, en tennis, en escrime à Melun par exemple. Donc il existe des liens anciens et très importants entre les acteurs du sport international et la Seine-et-Marne. Donc on joue sur tous ces réseaux évidemment. Monsieur Gouer, un événement comme les championnats de France de l'avenir là, qui ont lieu en ce moment, pour vous, en tant que président du comité qui organise justement cet événement, c'est très très important. En plus, c'est dans votre département. Oui, tout à fait. Et là-dessus, je pourrais même rajouter, c'est que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un tel événement en Île-de-France. Ça ne s'est encore jamais produit. En cyclisme, voilà. Bien sûr. Jamais, jamais de cette ampleur des événements. Et bien sûr qu'il y a eu un championnat de France professionnel. Mais je crois il y a 30 ans ou 40 ans, 80. En 81, bien sûr, Jean-François. 81. 81, qu'est-ce qui s'est passé en 81 ?
Beuchery a gagné et j'ai fait que quatrième. Ah, voilà. Que quatrième. Wow. C'est dommage pour un cycliste sénémarnais. Donc c'était l'événement qu'il y a eu très important pour un championnat de France pour professionnels sur la route. Et donc là, l'autre événement est encore beaucoup plus grand pour moi, hein, puisque ça dure pendant 5 jours sur toutes les routes du sud Seine-et-Marne. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et alors, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, il y a plus de 720 concurrents. Beaucoup plus que ça encore. Ah, beaucoup plus. Puisqu'on en est arrivé à 997 participants. Là, pendant les 5 jours. Pendant les 5 jours. Bon, bah, c'est voilà, un record aussi pour les championnats de France de l'avenir. Voilà, j'avais le chiffre de l'année dernière. Voilà. Après, et justement, ça a été totalement augmenté, très important. Ça a créé beaucoup de complications aussi ce matin pour les épreuves contre la montre. Ouais. Puisqu'on avait prévu des motos, tout un accompagnement qui a été vraiment super, hein, des gens qui ont travaillé, puisqu'on a réussi à combler les difficultés qu'on pouvait rencontrer de par les motos qui ouvraient, etc. Et on a réussi à faire une belle épreuve avec de beaux champions, j'espère. Alors Jean-François, en tant que Seine-et-Marnais, toujours implanté dans le département, voir un événement cycliste pareil, ça doit forcément vous réjouir. Oui, c'est bien, et pour le département, c'est super bien, et le département de Seine-et-Marne doit devenir le département d'Île-de-France, le département cycliste d'Île-de-France. C'est vrai que on est Paris, Île-de-France, mais on est aussi et surtout en campagne, et on peut se permettre de faire des beaux parcours. Tout l'ouest du département est favorable à accueillir et recevoir n'importe quelle épreuve, hein, parce qu'il y a du plat, il y a des côtes, il y a moins de difficultés organisées dans l'ouest du département que dans l'est. On ne touche pas trop à la région parisienne avec les trafics de voitures, tout ce qui se passe sur les routes. Donc c'est beaucoup plus facile et le département de Seine-et-Marne doit en profiter pour devenir un des départements phares du cyclisme en Ile-de-France. Voilà, et pas que le cycliste sur route, parce que dans quelques semaines auront lieu des championnats du monde UCI en VTT. C'est bien ça ? Ce sera précisément une Coupe du Monde, donc MTB Eliminator. Donc, alors, pour expliquer ce que c'est. Donc, MTB, c'est mountain bike. C'est l'acronyme de mountain bike en anglais. Donc, ce sont des VTT. VTT, c'est ça. Donc, ce sera une épreuve qui aura lieu le vendredi 17 septembre de 17h à 20h. Je vous invite vraiment à venir la voir. C'est quelque chose de spectaculaire et très impressionnant. C'est où ? Et c'est dans le cadre de Vélo en Grand. Et ça aura lieu sur l'île de loisirs de Jablinanais. Alors, donc, le MTB Eliminator, donc le VTT par élimination en français. Donc c'est une course où les concurrents se disputent d'abord en qualification, puis après ils sont, se départagent la victoire. Ils sont 4 par 4, ils partent à 4. En qualification, c'est individuel. Ah, c'est individuel, c'est autant. C'est ça, et par la suite, après, il y a les phases finales. Donc c'est 4 par 4, et à chaque fois, à chaque manche, les deux premiers sont qualifiés pour les phases suivantes. Donc d'accord. Un peu comme avec un tableau. Voilà, 16e, 8e, quart et la finale. Très bien. Bon, c'est un énorme événement. C'est ça. Pour la... Ça sera une épreuve dans le cadre de Vélo en Grand. Donc alors justement, Vélo en Grand, qu'est-ce que c'est ? Vélo en Grand, c'est un tout nouvel événement vélo donc, qui aura lieu du 17 au 19 septembre sur l'île de loisirs de Jablinanais. Donc c'est un événement grand public où on aura la pratique vélo pour tout le monde. Dans un premier temps, on aura... voilà, on voit l'affiche. Voilà. Justement, homme sandwich en même temps. Monde, on aura présentateur et homme sandwich, donc du 17 au 19 septembre. C'est ça. On aura un grand salon où les plus grandes marques de vélos seront présentes. Et la particularité de ce salon, c'est que vous pourrez tester tous les vélos présents sur ce salon avec des parcours tests spécifiques qui sont dessinés tout autour de l'île de Jablinanais. Donc avec des parcours spécifiques en fonction de la pratique, des parcours gravel, des parcours route, des parcours urbains, des parcours vélo assistance électrique et également un parcours découverte pour les gens qui commencent le vélo ou qui viennent juste pour essayer peut-être un prochain achat de vélo. Donc c'est un événement qui est gratuit, on imagine ? C'est un événement qui est gratuit pour le salon. À partir du moment où vous faites des tests, il y a des frais qui sont engagés, donc forcément ce sera payant. Mais en tout l'accès cas, l'accès salon, à la base cas, et au salon est gratuit. Il y a juste le parking sur la base de Lozère qui est payant. 5€ par jour ou 10€ pour 3 jours. Et ceux qui seraient fans de MTB Eliminator, c'est pareil, l'accès ce sera gratuit, même chose. Si vous venez en vélo, ce sera gratuit.
Mais voilà, si vous voulez venir en voiture, le parking sera, sera payant. Sinon, le spectacle sera gratuit. Oui. Voilà, bah, cette chanson, ça a toujours été, Jean-François ne va pas me contredire, ça a toujours été une des grandes particularités du cyclisme d'ailleurs, de proposer des événements gratuits. Exactement. C'est un des rares sports où on peut toucher les concurrents et on peut les voir gratuitement. Alors, Jean-François, je l'ai dit tout à l'heure, jeune retraité, mais très actif en fait, on se demande même si vous êtes en retraite. Si, je suis en retraite parce que avant j'étais toujours sur la route, là maintenant je suis beaucoup moins sur la route. Avant je suis consultant technique de l'Union Cycliste Internationale, donc, et puis consultant aussi pour le département de Seine-et-Marne, je leur donne mes idées et après ben, on fait avec et puis on progresse d'année en année. Le but étant de faire devenir le département de Seine-et-Marne, le département cyclisme d'Île-de-France. Donc vous apportez votre expertise, mes connaissances. Notamment pour le tracé là, des championnats de l'avenir. Oui, le tracé, on l'a fait tous les deux. José, on connaît bien ici. Moi, j'ai gagné ici en 69 avec 7 minutes d'avance. Donc, c'est le même parcours. Hein. C'était le Grand Prix de Laurel-Bocage à l'époque. Et maintenant, c'est circuit du Bocage. Oui, exactement. Circuit du Bocage. Ici, ouais. C'était la course. En fait, c'est pas du tout un hasard. Non, c'est pas un hasard. Bien sûr. On aurait dû appeler ça le circuit Jean-François. Non, ça jamais. Quand même pas. Non. Jean-François, j'ai également gagné le circuit du Bocage. Ah, c'est vrai, oui, mais après moi, hein, parce qu'on n'est pas de la même génération. Et à combien d'avance? Non, la petite anecdote, je vais rajouter une petite anecdote. Puisque dans la dernière côte où j'étais pratiquement dégonflé, dans la côte, j'ai regonflé, je suis rattrapé le groupe d'avant et j'ai gagné au sprint de ça. Eh ben, félicitations. Non. Ah ouais. Bon, pendant les Jeux de Paris 2024, on espère avoir, il n'y aura pas forcément de cyclisme, mais on espère avoir aussi les grands champions dont vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le territoire. Vous disiez que c'était aviron, principalement. Alors, sur la base de Vers-sur-Marne, voilà, c'est aviron et canoë-kayak. Voilà, ça, c'est le site olympique de Vers. On a médaille ce matin, hein. Médaille d'or, voilà, ce matin, exactement. En aviron. Hein. Mais je vous avoue que je n'ai pas regardé la télé ce matin, je n'ai pas suivi. Comme vous étiez sur le terrain j'étais là. J'étais bien occupé ailleurs, là, mais. Vous étiez sur le terrain là, je supposais que vous n'aviez pas écouté la télé. Mais je vous remercie. Avant de venir, j'ai écouté. Merci. Voilà, effectivement, une médaille d'or en deux en cadeau, je crois. Ouais. Voilà. D'accord. Non, pas de cadeau. En deux de coupure. Voilà. D'accord. Un expert derrière les caméras. Que les gens auront le plaisir, ceux qui sont reconnectés demain sur les réseaux, auront le plaisir de voir demain dans notre émission. Et donc, 2024, c'est 2024, mais d'ici 2024, sur ce même site, il va y avoir d'autres compétitions, nationales puis internationales pour les jeunes, un petit peu un échauffement, une répétition générale, hein, donc sur la base de Vers. Et puis effectivement, comme je le disais, sur les trois années qui nous séparent des Jeux Olympiques, le but, c'est d'accueillir un maximum d'équipes dans des activités très diverses, hein, de l'équitation à la gymnastique, en passant par le judo aussi, puisqu'on a un site aussi qui a été retenu dans le projet Team 77 Destination Olympique, donc pour accueillir des équipes en entraînement. Donc on espère que les Seine-et-Marnais pourront avoir l'occasion peut-être d'assister à des séances d'entraînement d'équipes nationales. Voilà. Donc vous l'évoquiez, là, la jeunesse qui vient pour un peu... faire aussi un peu de répétition avant les Jeux, mais pas que, parce que les compétitions de jeunes, on le voit notamment là ce week-end, sont des véritables compétitions en tant que telles. Jean-François Pécheux, qui ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il est aussi, travaille aussi sur le Tour de l'avenir, oui, cher à son cœur, oui, cette compétition. Le Tour de France, les organisateurs du Tour de France organisaient le Tour de l'avenir, qui a été créé en 1961, justement pour trouver les meilleurs coureurs possibles pour le Grand Tour, donc il fallait faire des belles épreuves. Ça a d'abord été une épreuve professionnelle et amateur, puis après ça a suivi bien sûr les règlements, et aujourd'hui c'est une épreuve, le Tour de l'avenir, qui récompense les coureurs de moins de 21 ans, donc les espoirs, ceux qui sont là, qui seront là sur le championnat de France, puisque j'ai appris tout à l'heure avec mes voisins qu'il y en avait 4 de ce matin qui vont participer. Exactement, dont le nouveau champion de France du contre-la-montre, Kevin Vauclin, ouais, qui portera le maillot de l'équipe de France pendant le Tour de l'avenir. Le Tour de l'avenir qui passera donc à Danemarie d'Antilly et à Provins. Exactement, sur les routes Seine-et-Marne pendant 17. Deux jours. Okay. Les 16 et 17, exactement. Et on le voit, hein, c'est vraiment une compétition pour ceux qui ne connaîtraient pas le Tour de l'avenir. Regardez,
c'est pas un hasard hein, si on a mis ces trois, ouais, ces trois c'est, les, c'est les trois derniers, à part 2019 avec Foss, le Norvégien Foss qui a gagné. Ce sont les trois derniers vainqueurs. Alors, dans Bernal, Bocachar et Godu. Voilà. Donc, autant dire que c'est une épreuve qui est d'un niveau absolument exceptionnel. Et quand on gagne le Tour de l'Avenir, en général, on a une carrière, en tout cas, qui est, si on continue à bosser, qui peut s'avérer, peut s'avérer une belle carrière. Et pourquoi pas même remporter le Tour de France. C'est ce qui s'est passé avec les deux derniers, avec Bernal et Pogacar. Ces Tours de l'Avenir, là, pour le département, pour le comité départemental, c'est la première fois. Est-ce que ça en appellera d'autres éventuellement, peut-être chez les élites, peut-être avec les professionnels? Est-ce que c'est quelque chose qui trotte dans votre tête? Oui, il y a beaucoup de projets là-dessus aussi, hein, pour la continuité, pour le cyclisme dans le département, hein, le vélo d'une manière générale. Et en ouverture du Tour de l'Avenir, on organise aussi une épreuve Ménilmes Cadet le dimanche après-midi à Donne-Marie-Dontilly aussi. D'accord, donc on l'a dit tout à l'heure, donc c'est une véritable terre de compétition de cyclisme, mais pas que. Et alors pour revenir à votre événement vélo en grand, on imagine que ça fait plusieurs mois que vous travaillez dessus. Comment vous sont venues toutes ces idées? Vous êtes allé piocher des idées à droite, à gauche? On essaye de s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. On essaye aussi de mettre en commun toutes les idées qu'on peut avoir, que ce soit du côté du département ou de chez Chlorobike, donc la société qui organise l'événement. Par exemple, de ces idées, on est sorti une épreuve qui fera 300 km. Donc, on voit beaucoup, c'est une aventure backpacking le vendredi. Donc les concurrents partiront découvrir la Seine-et-Marne du nord au sud et d'est en ouest, hein, j'ai envie de dire. Donc ils auront un parcours de 300 km à faire par deux, soit en version gravel ou soit en version vélo de route. Et ils auront notamment l'occasion de visiter la magnifique ville de Provins, passer dans la forêt de Fontainebleau. Donc là, c'est des choses qui vont être exceptionnelles, et autant un engagement physique que mental aussi. Et avec donc un parcours qui suit les attractivités touristiques, culturelles. Alors, son nom, c'est la Tournée des Grands-Ducs, donc ça veut dire... Beaucoup de châteaux sur la route, donc on a essayé de mettre en avant aussi le patrimoine, et ce qui me fait venir au fait qu'on sera sur le week-end du patrimoine du 17 au 19 septembre, et dans ce cadre-là, nous aurons trois randonnées, donc chaque jour une randonnée sur le thème du patrimoine, avec le vendredi un passage du côté de la chocolaterie Meunier et l'usine Nestlé à Noisiel. Le samedi, ce sera du côté du musée de la Grande Guerre à Meaux. Et le dimanche, ils passeront notamment sur le pump track de Montévrain, devant Disneyland, et aussi sur l'observatoire de Carnotin. Donc voilà, on essaye aussi de mettre en avant le patrimoine, et on a un engagement sur 3 ans donc, avec le département sur l'île de loisirs de Jablinanet. Donc chaque année, on va essayer de mettre en avant le patrimoine à l'occasion de Vélo en Grand. Donc ce sera la première édition cette année. C'est ça, première édition cette année. Bon, bah, on croise les doigts, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. On espère aussi que le Covid va nous laisser un peu tranquille. On n'a pas le cristal pour définir mais on y croit en tout cas. On est optimiste. Jean-François Pécheux, quand il partait en échappée, il était optimiste, il y allait pour gagner. Et je peux rajouter, tu as oublié, c'est qu'il y a aussi un cyclocross. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, le samedi. Voilà. Cyclocross. La journée du samedi. Ouais. Voilà, on a vraiment... Cyclocross estival. C'est le premier de la saison. Donc le matin, on mettra en avant les compétiteurs régionaux. Il y aura les minimes en préambule, puis des cadets et des cadettes. Après, on aura les catégories régionales, donc le pas cyclisme et troisième catégorie, et les dames aussi, on les oublie pas. Et l'après-midi, on aura un cyclocross international, donc C2, où là, on aura les juniors, espoirs et élites, hommes et dames. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent pour ceux qui connaissent le cyclocross? Pour le moment, c'est pas encore. Pas encore sur la route. Attends. Mais je vais rajouter, puisqu'en Seine-et-Marne, on a des athlètes de haut niveau en cyclocross, puisqu'on les a vus figurer. Et un Seine-et-Marnais a terminé deuxième des championnats du monde, des championnats de France, pardon, cette année. Donc, c'est des coureurs qui seront aussi présents là sur l'épreuve. C'est ça. La date est idéale. Hein, on est en début de saison. Les concurrents qui vont commencer à préparer les coupes du monde, même voir partir aux États-Unis pour faire les manches de cyclocross, viendront sur Jablinanet. Oui, on aura du beau monde, on est certain. Et puis, il y aura un beau parrain aussi. Un bon parrain. T'es présent ici, là? Non. Alors, qui est le parrain? Un Seine-et-Marnais qui a remporté le Tour de France.
qui a remporté le Tour de France. Oui. Alors là, le quiz. Le quiz. Alors, on va commencer par le quiz. Il n'y en a que deux. Il y a malheureusement, voilà. Il n'est pas français, un hollandais. Ah, ben oui, évidemment, le grand Joop Zoetemelk. Voilà, que nous verrons. Que nous verrons d'ailleurs sur ce plateau, qui est le parrain aussi des championnats de France de l'avenir, évidemment, Joop Zoetemelk. C'est vrai que quand on pense à démarrer, on ne pense pas forcément tout de suite à Joop Zoetemelk. On peut penser aussi à David Moncoutier, qui est né en Seine-et-Marne. Petite question, est-ce que vous avez suivi un petit peu les championnats de France là tout à l'heure, les courses, ou pas du tout? Si vous n'avez pas eu le temps de regarder les Jeux Olympiques, vous n'avez pas eu le temps de regarder les championnats de France de l'avenir. Donc je vous propose de revenir en image sur les courses qui ont eu lieu ce matin. Donc c'était aujourd'hui la première journée de compétition des championnats de France de l'avenir. Et ça a commencé par un contre-la-montre des juniors femmes sur un parcours. Vous l'évoquiez tout à l'heure, tracé à la mémoire de Jean-François Pécheux. C'est sympa la mémoire. Donc là, Jean-François, racontez-nous un peu ces routes, là, comment, vu que vous les connaissez là, par cœur. On part de Voux et on va en direction de Laurel-Bocage. Donc une grande ligne droite, une belle ligne droite. Ensuite, il va y avoir Saint-Ange, un virage à droite pour aller sur Saint-Ange-le-Vieil. On n'est pas glacieux, là, moi, quel livre. On n'est pas glacieux, oui, mais ça fait partie du sport cycliste, savoir piloter son vélo. Et donc, on le voit, ces jeunes femmes qui étaient sur la route ce matin de bonne heure à 9h, le premier tour de roue, effectivement, sous la pluie. La pluie a cessé depuis, notamment sur les deux dernières courses, la pluie a cessé. En revanche, le vent s'est levé. Enfin, c'est peut-être d'ailleurs parce que le vent s'est levé que la pluie a cessé. On est en fin de parcours. Et voilà. Droite, un parcours en montée. On voit les images, le parcours a l'air quand même très très exigeant. Elles s'effondrent sur la ligne d'arrivée. Il y a deux belles sur le parcours, il y a deux belles côtes qui sont utilisées dans les différents championnats. Bon, c'est pas des grands cols, mais c'est des côtes qui vont faire mal avec le vent. Et puis l'arrivée est située au bout d'une ligne droite de 600 mètres en montée, dont la première partie, la côte est quand même très difficile. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des épreuves cyclistes, combien de temps dure l'effort là? Là, 30, comme ils ont fait 30, 20, entre 25 et 30 minutes. Voilà. Donc chez les juniors femmes, l'épreuve faisait 16 km et chez les juniors hommes et les espoirs hommes et femmes, l'épreuve faisait 21 km. Voilà. Et donc les garçons, Kevin Vauquelin, le champion de France junior homme, a mis 34 minutes. Voilà. Effectivement, 46 c'est de moyenne sur ce parcours-là. Ouais. C'est 46 de moyenne à 20 ans sur des machines qui sont très difficilement pilotables. Ça n'a rien à voir avec un vélo classique. C'est beaucoup plus compliqué de piloter ce genre de vélo. Beaucoup moins maniable. Surtout sur la pluie. Surtout sur la pluie, exactement. Ouais. Tout à fait. Donc ce sont les premiers tours de roue donc de nos jeunes athlètes sur ces championnats de France de l'avenir. Et là, effectivement, il y a eu malheureusement une chute chez les espoirs hommes. Et c'est un représentant, vous l'avez dit, José Gouerde. Vous avez reconnu le maillot tout de suite? Oui, tout à fait, bien sûr. Un maillot déchiré, remplacé, quoi. Voilà, une combinaison du comité d'Île-de-France. Jean-François Pécheux, quid avec votre mémoire, quid de la Seine-et-Marne et du Tour de France? Vous l'avez évoqué, donc les deux Seine-et-Marnais vainqueurs du Tour. Il y a eu 7 étapes. Qui sont ou partis ou arrivés en Seine-et-Marne. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Alors, il y a eu Fontainebleau. C'était une grande étape qui arrivait de Clermont-Ferrand-Fontainebleau, 300 et quelques kilomètres, gagnée par un Français, Paul Le Métayer. Et avant, il y avait le fameux Tour de l'Avenir. Eh oui. Ah oui, qui précédait en fait. Qui précédait à l'époque, le Tour de l'Avenir se déroulait en prologue du Tour de France. Et pour mémoire, le vainqueur à Fontainebleau de l'étape du Tour d'Avenir s'appelait M. Cyril Guimard. Ah ben voilà, donc comme quoi, ce Tour de l'Avenir qui va passer donc, sur les routes sénémarnaises les 16 et 17 août prochains. Voilà, c'est vraiment la terre de compétition et une terre de champion. Ouais. Ensuite, il y a eu le départ de... l'ordre, je ne sais plus, mais il y a eu... Alors, il y a eu aussi, en 2003, on a fêté le centenaire du Tour de France, avec une étape qui arrivait à Meaux, et on avait essayé de refaire un petit peu ce qui se faisait à l'époque, avec un premier ravitaillement à Fontainebleau,
Donc on rentrait dans le département à la hauteur de la Chapelle de la Reine. Fontainebleau, on a traversé tout le département pour terminer à Meaux. On repartait le lendemain de La Ferté-sous-Jouarre. Il y a eu des étapes, des arrivées et des départs à Melun, des départs à Montereau et des départs à Nemours. Voilà. Ça vous évoque des souvenirs, là? Oui, c'était le 6 juillet 2003 qu'il a dû passer en Seine-et-Marne. C'est au mois de juillet, c'est oui. Sûr. la date, je ne sais pas. Un mariage avec des soucis pour passer. Donc c'est mémorisé. Quand on choisit les dates de mariage, on fait attention au parcours du cours de France. Mais c'est la base. Mais du coup, ça me permet d'en profiter pour dire que la Seine-et-Marne se positionne pour accueillir d'autres grands événements. Voilà. Que ce soit sur le Paris-Nice ou sur le Tour de France. Ça fait partie des projets. On a déjà rencontré les dirigeants d'ASO. Il faut anticiper sur plusieurs années. Ça c'est certain. Et vous, alors, vous êtes conseillère départementale en charge des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais vous êtes aussi élue, vous êtes maire. Je suis maire de Nangy, oui. Voilà. Oui. Alors justement, quand on est maire d'une ville et qu'on a un ancien représentant du Tour de France à côté, on pourrait avoir une étape qui partirait de Nangy, par exemple. Alors, une étape du Tour de France, peut-être pas, mais je me suis déjà dit qu'après le plateau, effectivement, certainement, je discuterai pour voir à réfléchir, à proposer nos routes sur Nangy et plus largement sur la communauté de communes de la Brie nangicienne. Parce qu'on a, ça roule du côté de Verneuil-l'Étang, il me semble qu'il y a des... Voilà, donc il y a des choses. Je suis aussi professeur d'éducation physique. Donc, une ancienne élève aussi qui roule. Donc, oui. Bon, voilà. Bon, après l'émission, on les laissera tranquilles en train de discuter. Eh bien, je vous remercie. Merci de votre présence. Merci à vous. Merci à vous. Oui. Avez-vous merci quelque chose à rajouter sur cette belle terre de compétition? On l'a dit, ce poumon vert de Seine-et-Marnais. Il y a des projets qui arrivent, est-ce que vous êtes au courant? Vous n'avez pas deux, trois petits scoops à nous donner avant les Jeux Olympiques? Non, j'aurais juste envie de dire que pourvu que les Seine-et-Marnais profitent là, des jours à venir, pour venir encourager les coureurs. Exactement. Donc c'est à Loret, le Bocage Préau. On espère avoir beaucoup de monde, notamment ce week-end. C'est vraiment des belles épreuves avec des futurs champions, comme ceux qui sont sur cette affiche du Tour de l'Avenir que vous aurez l'occasion de croiser. Alors eux ne seront pas là évidemment, mais il y en aura d'autres. Des futurs vainqueurs de Tour de France les 16 et 17 août prochains. Merci à vous quatre. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Nous, on se donne rendez-vous demain pour deux nouvelles émissions. Une émission consacrée au championnat de France de l'avenir avec les résumés et les champions qui vont venir traîner leur belle tunique bleu, blanc, rouge à nos côtés. Et une deuxième émission où nous évoquerons d'autres sujets, et notamment d'autres sujets Seine-et-Marnais et notamment le handicap. Et le sport, qui est un vaste programme et une véritable volonté du département des Seine-et-Marne de faire un peu bouger les lignes. Merci beaucoup, à demain, au revoir.